C'est une année sabbatique très enrichissante. J'ai repris le travail à temps partiel pour pouvoir continuer à partager ces journées avec les personnes sans domicile fixe, car il y a une vraie dimension humaine de partage et d'échange et d'écoute. Après plusieurs années auprès de ces personnes démunies, j'ai décidé de mettre mes compétences informatiques au service des sans domicile fixe en créant une association Adileos pour répondre à un besoin de mise à disposition d'un coffre-fort numérique permettant de sauvegarder les papiers des personnes qui se trouvent à la rue.